pour chaque bloc sauté. Plus de 500 euros gagnables juste pour des sauts. Tue des poulets, gagne 5 euros par poulet tué. Plus de 300 euros gagnables juste pour des poulets. Vous avez compris le concept? Aujourd'hui, j'ai ramené des youtubeurs sur des épreuves. Et pour chaque épreuve, ils vont pouvoir gagner de l'argent. Mais pour ça, faut-il encore réussir les épreuves? Ah oui, et comme je voulais aussi vous faire croquer, j'ai fait participer un abonné à des épreuves du même genre. Et c'est assez spécial, donc ça, on en reparlera plus tard. D'abord, direction. La première épreuve, c'est super simple, c'est du jump. Ils ont 7 checkpoints avec 1 minute pour aller le plus loin possible. Et chaque checkpoint représente un palier d'argent. Le premier 5 euros, le deuxième 10 euros, troisième 20 euros. En fait, l'argent double à chaque checkpoint. Et donc, au dernier checkpoint, ils peuvent remporter plus 320 euros. Bon, Balanid, quand tu veux, la première épreuve démarre. Je démarre le chrono. Allez, vas-y, bonne chance. Le timer a démarré. Hein. Tu sais que là, tu perds du temps et tu perds de l'argent. Hein. Donc, c'est comme tu veux. Bon, là, déjà, t'as gagné 5 euros en plus, Lined. Quoi? Tu commences déjà bien la cagnotte. Là, t'as 10 euros, donc t'as 15 euros au total. Et si je tombe, il se passe quoi? Bah, tu meurs et tu recommences depuis le checkpoint. Hein? Where is the checkpoint? C'est les portes que tu passes, chef. Non, arrête, c'est quoi ce jump de con là? Ah, bah, c'est forcément plus compliqué. Bah, voilà, jump de con. Oh! Oh non, mais ça, c'est vraiment des jumps de con, ça. Oh, attends, t'es fort! Oh là là, magnifique, ah! T'es mort? Franchement, déjà, t'as une bonne cagnotte. On s'amuse, hein. Vraiment, on s'amuse, hein. De toute façon, Lined, non, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Donc là, déjà, Lined, tu commences avec une cagnotte de 75 euros grâce à la première épreuve. Wesh. Mais par contre, je vais t'amener maintenant à la deuxième épreuve. Mais c'est là où tu vas pouvoir perdre un petit peu d'argent, hein. Tu vas voir. Ok, bon, Shawen, t'es prêt pour la première épreuve? T'as du jump? C'est quoi? Je viens de t'expliquer, donc c'est parti. Une minute, tu démarres maintenant. Je vais devenir riche, hein. Je te le dis clairement. Franchement, oui, tu peux. Là, t'as déjà gagné 5 euros en plus. Oh là là. 10 euros en plus, oh là là. Là c'est peut-être facile au début. Là t'es peut-être à plus 35, bien joué. Mais là maintenant c'est la suite où ça va être un peu plus compliqué. Là en vrai c'est le dernier niveau à peu près facile. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Ok, t'es chaud. Moi je te le dis honnêtement. Qu'est-ce que tu me dis honnêtement, Shawen? Hop là. Oh là là. Oh là là. Je vais y arriver. Mais moi je suis pas caraï moi. Non mais tu sais que là c'est une néo, c'est une virgule. Elle est facile. Après t'as des triples virgules à la fin. Allez hop. Ok. Oh, Shawen. Non mais non, mais non. Frère, des virgules, frère. Je sais même pas écrire, tu me parles de virgules. Il te reste 2 secondes, vas-y. Jusqu'à ta prochaine mort, vas-y. C'est terminé. Shawen, c'est terminé. Comme Lined, tu empoches 75 euros. Franchement, c'est très très bien pour une première épreuve, je te le dis. Bon, Karai, première épreuve, c'est parti, ton chrono démarre maintenant. Allez, 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 allez. Ok, c'est parti. Bon, là, c'est un peu facile, j'ai l'impression que tu me prends un peu pour un mec un peu bête. Bon, là, déjà, t'as 5 euros. Franchement, c'est pas mal. Ok, 10 euros, tu démarres avec une petite cagnotte de 15. Franchement, c'est bien. Ok, je prends même des petits raccourcis, dis-toi, je fais des jumps en plus et tout. Non, franchement, je suis trop fort pour l'instant. Ok, un néo, wesh. Ah bah, écoute, forcément qu'on va un petit peu augmenter en difficulté, hein. Mais je viens de le casser en deux. Oh non, ton néo, je l'ai cassé en deux. Là, il te reste 30 secondes et pour l'instant, personne n'arrivait plus loin que ça. Là, déjà, t'as 75 euros. Et si tu passes ça. Oh, mais attends, mais wesh, c'est trop dur. T'as 155 euros. Dis-toi, après, il y a des doubles néos à la fin. Hein. Le niveau qui te permet d'avoir 320, ok. Ok, il te reste 15 secondes. Allez, ouais, franchement, j'ai envie de te voir réussir. Non. Allez, il te reste 12 secondes. Il te reste 10 secondes. Allez, allez, stop les carrés, je veux te voir réussir. Quand je l'ai préparé, je me suis dit peut-être qu'il va réussir. Allez, il te reste 4 secondes. C'est quoi, je te laisse finir cet essai. Oh, meurs pas. Attends, faut que je fasse un néo là du coup. Attends, avant que tu fasses, tant que tu meurs pas, je te laisse continuer. Ça veut dire même après ce checkpoint, si tu meurs pas, je te laisse continuer. Vas-y. Ok, attends, je prie Jésus, Marie, Joseph, soyez avec moi, c'est parti. Allez. Non, j'ai cru. Bon, mon compte en banque est très heureux. Mais tu sais que j'ai vraiment cru. Écoute, c'est déjà bien. Première épreuve, Karai, tu rempoches 75 euros. Donc, comme tout le monde. Et tu sais quoi? Comme t'es arrivé plus loin, je te donne un petit bonus de 5 euros. Donc, tu démarres avec 80 euros. Attendez. Parce que là, il y a potentiellement l'un d'entre vous qui peut gagner 100 euros. Sur mon serveur Discord, j'ai posté ce message expliquant que j'ai besoin de l'un d'entre vous pour participer à un tournage. Et le voici. 100 blocs d'obsidienne à miner et chaque bloc rapporte 1 euro. L'abonné va avoir 12 heures pour en miner le plus possible. En sachant que le défi peut se compléter en 6 heures et 50 minutes. L'obsidienne va devoir être minée à la main, donc chaque bloc va lui prendre 4 minutes et 10 secondes à être cassé. Par contre, 2 règles. 1, il va devoir tout faire d'une traite, donc pas le droit à la déconnexion. Et 2, il a pas le droit de demander de l'aide. À part ça, il fait ce qu'il veut pour empocher ses 100 euros. Et alors Ratman, tu vas bien? Ouais, ça va. Eh ben écoute Ratman, tu commences quand tu veux, je te laisse aller, t'appuies sur la plaque okay, de pression. Let's go. Écoute, t'en as pour potentiellement 7 heures. Ah bah ça va charbonner, hein, je te le dis. Hein. Bah écoute, charbonne pas trop, je tiens mes 100 euros quand même. Bon, j'ai quand même envie d'être là pour le voir miner son premier bloc. Et du coup, il va falloir que j'attende encore 3 minutes de plus. Je vous avoue, je sais pas si je vais tenir les 7 heures, hein, parce que bon, miner 7 heures pour 100 balles.
Et le voici avec son premier bloc d'oxygène miné. Oh et voilà, let's go, le premier bloc. Plus que 99 autres à miner et 99 autres euros à empocher. Et bon ben allez, on passe au deuxième bloc hein. Malheureusement j'ai pas grand chose d'autre à faire, j'ai envie de vous dire. Pour la deuxième épreuve c'est super simple. On a un enclos avec plein de lapins qui valent chacun 1 euro. Donc t'en tues un, boum, 1 euro en plus. Par contre il y a aussi des petits poulets qui se sont immiscés. Et chaque poulet tué fait moins 10 euros. Enfin moins 10 c'est la règle que j'avais mis au départ. Et puis il y a le passage de Lined et après lui j'ai décidé de la changer. Enfin, je voulais voir le carnage. Bon, Lined, pour la deuxième épreuve, tiens, voici une petite wesh, épée. Wesh, j'ai des lapins, frère. Donc vas-y, écoute, tes 30 secondes commencent maintenant, c'est parti, hein. Fais ce qui bon te semble. Je dois tuer les poules. Bah non, si tu tues les poules, c'est moins 10 euros, hein. Hein? Mais dis-le moi, frère. Mais je viens de te l'expliquer, hein, tu... Ah, mais non, mais oh là là. Ah, tu perds ton argent, là. Bah j'arrête, bah j'arrête. Bah non, mais tu es des lapins. Mais fils de... Ah non, c'est bon. Et chaque lapin, c'est plus 1 euro. Hein. Là, t'as juste plus 1 euro et t'as... Mais là, t'as moins 200 euros. Hein. T'es au courant de ça ou pas? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que t'as tué 20 poules. Mais faut savoir. Mais faut tuer les lapins. Oh. Mais le temps est déjà fini. Bon, vas-y, je t'accorde 20 secondes de plus. Parce oh que là... Oh là là là. On démarre. Ok, t'as tué 5... Mais non, c'est mais bon, tu... frère. J'en ai rien à secouer, frère. J'en ai cassé les couilles. Bon, ton temps est fini dans 10 secondes. Franchement, t'avais plus de temps que les autres. T'as un peu de chance. Hein. T'es... Voilà. Allez, hop, c'est terminé. 41 lapins tués quand même. Hein. C'est beau. Bon, du coup, tu t'es pris 40... Non, mais t'as pris plus de malus que t'as tué de lapin. Bon, bah t'as plus 40 euros. Let's go. Sauf que t'as moins 410 euros, Lined. Mais à quoi je participe? Bah attends, bah si tu vas pouvoir récupérer de l'argent. Allez, c'est parti, tu peux entrer dans l'arène. Bon, c'est pas vraiment une arène. C'est mon mais... kiki, alors hop là. Oulala, oulala, déjà tu les laisses échapper. Bon, vas-y, pourquoi pas. Oh merde, je vais démarrer le chrono. Bon, t'as peut-être gagné des secondes en plus, hein. Là, il te reste 25 secondes. Oulala, mais t'as déjà 9 malus, Shawen. C'est beaucoup. Mais c'est moins 90 euros. Non, mais. Chaque malus, c'est 10 euros. Bon, tu sais quoi, je te laisse une minute. En vrai de vrai, parce que je vois que tu galères, je pense que je vais laisser une minute à tout le monde. T'as plus de malus qu'autre chose là. Attention, Shawen, et le temps est terminé. Stop, arrête oh le non. massacre. Tu peux sortir d'ici. Shawen, j'ai tes résultats, t'as pas franchement brillé. T'as tué 34 lapins, donc ça c'est ouais. bien. Plus 34 euros en plus, t'arrives à 109 euros. Et t'as 31 malus, c'est moins 310 euros. Quoi? Bon, tu sais quoi, on va faire un truc. Chaque malus en moins, c'est moins 2 euros. Parce que là, de base, 5 euros, vous perdez trop d'argent, c'est pas possible. Vous allez flinguer mon jeu. Ah non, mais c'est toi qui as flingué le jeu. En fait, tu critiques? Allez hop, moins 5 euros chaque malus. Là, t'es quand même à moins 46 euros. Après, moins 46, en ce moment, moi, je te dois rien. Hein. Ah, si. Ah, moi, je vous le dis, les mecs, je vais rien payer. Allez, c'est parti. Deuxième épreuve, mon cher Caraï. C'est quoi? Je te donne un petit tip. Fais attention, tu sais, ça un petit peu. Ça peut un petit peu taper en dégâts de zone, les épées. Bon, tu sors ou t'es en confinement là? Voilà. Okay, allez, okay, c'est parti. Ok, c'est parti. Bah, en vrai, moi, je vais tous les taper. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, je tape tout le monde. Mais là, attention, hein. Là, t'as déjà 9 malus. Hein. 9 malus? Mais regarde, je me mets dans un coin. Il y a que des lapins là. En vrai, normalement, j'ai wow, mais attends, mais attends. Là, tu fais le meilleur temps. Mais je savais qu'il fallait t'inviter toi. Mais oui. Oh, t'as déjà pris 18 malus. T'as tué 100 lapins. Oh, je vais te faire démarrer le chronomètre. Ok, c'est bien pour moi. Ça compte. Non, c'est moi qui vais décider quand est-ce que ce sera à la fin, de toute façon. Ok, pardon. Et non, mais attends, t'as tué 250 lapins. Mais t'as aussi 50 malus. C'est beaucoup ou pas? C'est gigantesque. Chaque malus, c'est moins 5 euros. Carré. Ouais, non, mais en vrai, t'inquiète. Je crois que j'en ai pas beaucoup tué des poulets là. Non. Attends, carrément, j'ai le temps de boire un peu. Encore des petits lapins là. Hop. T'as entendu ça? Ça veut dire c'est la fin. Terminé. Hop, on arrête. Je touche plus. Hop, je lève les mains. Alors, tu as tué 297 lapins plus les 80 euros de tout à l'heure. Tu as 60 malus. Donc là, tu as 77 euros. Dis-toi, t'es le seul de cette vidéo pour l'instant à passer à la troisième épreuve en étant dans le positif. C'est énorme. La vidéo, elle est rentable pour moi là. Pour l'instant. Nice. Allez, quatrième bloc. Je crois que j'ai jamais gagné autant d'argent de ma vie. Non, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est parti. On part sur le cinquième du coup. Et voilà, let's go! 10 petits blocs, et ça fait 10 euros dans la cagnotte pour moi! Ok, bon là, ça fait un petit peu de temps que j'ai laissé Ratman tout seul, et là, il vient enfin de miner ses 10 premiers blocs. Dis-toi, là, t'as fait tes 10 premiers euros. Est-ce que, bon, tu te dis que tu vas aller au bout ou pas? Ah ben, t'inquiète pas, moi, j'ai la foi. Ok, bah écoute, j'ai confiance en toi, je t'observe de loin et je te fais des petits screamers. Pour la troisième épreuve, il y a deux bâtiments identiques, deux bâtiments en miroir. C'est le jeu des 7 différences. 2 minutes pour en trouver le plus possible. Les faciles rapportent 5 euros. Les moyennes 10, les difficiles 25. Chaque erreur coûte par contre 10 euros. Et il y a une catégorie secrète, les impossibles, qui rapportent 500 euros. Mais croyez-moi, ils portent très très bien leur nom. Lined, je te présente le jeu des 7 différences. Bah écoute, Lined, tes 2 minutes commencent maintenant. Okay. C'est parti. Bleu, vert. Allez hop là. De quoi facile. Tu me parles? Les trucs là, les marmites là, les trucs de pizza là, ou ça là. Ah ouais, et t'es bon. Merci. Bah écoute, ça te fait là déjà 5 euros en plus. La poiscaille n'est pas là. Allez hop là, facile en plus. Merci bien dans la peça.
grâce. Tout à fait, ouais, plus 10 euros. Là, c'est bien. Là, t'es à 285 en termes de cagnotte. Enfin, moi, 285. Tu vois, non, t'aurais été intelligente, t'aurais changé les pots, tu vois. Ok, ouais, bah vas-y, je te laisse observer. Parce que dis-toi, c'est un effet miroir, hein. Donc, faut que tu sois attentif. Y'a pas ça là-bas. Hein? Et j'ai combien de temps? Là, il te reste 1 minute 30. Ah, là, y'a un tableau, là. Y'a pas de tableau là-bas. Ok, ouais, donc la télé est éteinte, c'est bien. Ok, donc là, est-ce qu'il y a une couche de neige? Oh là, une aide. Boum! Quoi? C'est différent là. Il manque des couches de neige. Tu valides? Oui. Eh ben écoute, tu viens de trouver un difficile. Je te félicite. Là, tu prends plus 25. Let's go. Ça va être compliqué de rattraper les 200, mais c'est pas grave. Eh ben écoute, Shawen, tes 2 minutes démarrent maintenant. C'est parti. Vas-y. Ok, c'est parti. Donc déjà, il y a le truc violet alors que là-bas, il n'y a pas le truc violet. Ok, plus ensuite, 5 euros. Ensuite, le bandeau vert là, ici, ben, le bandeau là-bas, il est bleu. Ok, plus 10 euros. C'est très très bien. C'est une différence facile. Hop. Donc là, les lanternes, elles sont bleues. Non, elles sont pas bleues. Et ensuite, ici, il y a de la lave alors que là-bas, il y a de l'eau. Ok, pour l'instant, t'as trouvé 4 différences faciles. Il te reste 1 minute 30. T'as plus 20 euros. Franchement, t'es bien. Là, bon, bibliothèque, tableau, ok. Ça, par exemple, il y est pas, ça, tu vois. Un petit bol de nouilles. Attends, je vais te dire parce que t'as potentiellement. Écoute, t'as une erreur. Il y est. Donc, moins 10 euros. Ah non, mais là, c'est de l'arnaque, là. Ah non, chaque erreur, c'est moins 10 euros. Mais écoute, Karaï, c'est parti. Tu peux ouvrir le portillon. Allez, okay, hop. Ok, let's go. Ah, c'était pas de l'eau. Ok, donc là, je vais dans les deux trucs et je trouve les différences. Oui, tu as 2 minutes pour m'en trouver le plus possible. Hein. Bon, là, impossible que je me trompe, hein, ouais. Là, j'essaie de retenir le maximum. Ok, fleur rose en haut. Tableau. Je vais fixer les mêmes à chaque fois. Hop, bibliothèque, lit, coffre. Y'a rien dans les coffres, non. Petite cuisine. Ok, c'est parti. On va voir l'autre. Tu perds pas mon temps. Est-ce que déjà t'as un angle d'attaque? Est-ce que tu dis, ok, je veux les faciles ou tu veux tenter les impossibles? Ma technique, ça va essayer de prendre les faciles. Comme ça, je prends un maximum de thunes. Par contre, là, je vois aucune différence là. Attends, mais c'est compliqué là, ton truc là. Mais c'est hyper simple. Mais essaye de faire une ou deux à la fois. Tu peux pas tout faire en même temps. Et là, déjà, t'as perdu une minute. Ok, là, y'a un tableau et derrière, y'en avait pas. Ok, donc TV éteinte plus une différence, c'est une facile. Ok, est-ce que là, c'est les mêmes tableaux? On va dire là c'est un sandwich. Ouh là là, il te reste 40 secondes. Sandwich. Putain mais c'est la même chose, mais je ne comprends pas là, c'est quoi ce bazar? Les gars, me voici encore de retour. Non mais attendez. Là il a quasiment bientôt fait 20 blocs, donc quasiment bientôt 20 euros, mais il va me ruiner. Ouais voilà les mecs. Let's go. Le 20ème bloc. Il reste encore 80 blocs à casser. C'est pas encore fini moi je vous le dis. Ah il y a de la lave et il y a de l'eau. Ok, un facile en plus. Il te reste 1 minute. C'est très bien là, j'aime bien ce que tu fais. Merci, c'est gentil. Le coffre est pas uni. Ok. C'est très bien. Tu as un moyen en plus, donc t'as plus 10 euros. Bon, ça va, il est facile à trouver. Les tableaux, c'est pas les mêmes. Ça a rien d'aller voir. C'est exactement les mêmes, donc t'as une erreur. Ferme-la, c'est pas les mêmes. T'as une erreur, c'est exactement les mêmes, donc moins 10 euros. Ah bah il faut faire attention aux choses hein. Donc là il y a un coquelicot, est-ce qu'il y a un coquelicot là-bas? Mais oh, ils nous font chier les fleurs hein. Il y a forcément des fleurs autres qui vont être difficiles parce que c'est des fleurs à trouver en hauteur. Eh oui mais en tout cas, allez, je te laisse 5 secondes de temps bonus. Je te donne, c'est quoi? Je te laisse me donner une dernière différence et après j'arrête le chronomètre. Donc choisis bien ta différence. Lampiote orange et pas bleu. C'est bien. MRC le SA. C'est une différence facile. Donc écoute, voilà ta cagnotte actuellement. Bon, t'es toujours dans le négatif, mais tu peux peut-être te rattraper sur l'avant-dernière épreuve, Lined. Ok, donc là il y a un home cinéma, est-ce qu'il y a un home cinéma ici? Ah bah là l'écran il est ouvert alors que là-bas il est fermé. Exactement, de l'autre côté il est éteint. Donc écoute, là t'es à plus 15 sur toutes les différences. Il te reste à peu près 1 minute. Ok, là c'est un gâteau un peu comme ça. Ouais, tu peux tenter de voir plusieurs trucs à la fois hein. Ça peut être une technique hein. Ok, bon je vais te le dire, il te reste 20 secondes, tu passes pas loin d'un truc impossible qui te rapporterait 500 euros. Après tu passes pas loin. Quoi? De 2. Mais voilà. Il y a des fleurs violets, jaunes, bleues, rouges. Les fleurs 100%. Ah bah non. Et bah de toute façon ton temps est fini. Ah bah mais si. Ah bah si. Vas-y, dis-moi. Si t'as la bonne, c'est quoi? Je te l'accorde. C'est celle-là. C'est raté. Écoute, c'est ces deux-là qui sont inversés de l'autre côté. Allez le dire. Non, hein, t'as moins 10 euros encore. Du coup, t'as juste gagné 5 euros sur l'épreuve. Bon, au moins, t'as pas perdu de l'argent. Mais t'es quand même à moins 41 euros, Shawen. Hein. En fait, c'est trop compliqué là. Focus-toi sur un truc. Ah, ça, c'est de l'eau derrière. Ok, donc t'as deux faciles, ouais. Ok, nickel. Les têtes, je pense, c'est les difficiles. Ça m'a rapporté v'là les sous. Il te reste 5 secondes. Ok. J'ai retenu les têtes à peu près, je crois. C'est fini, bouge plus. Donne-moi ta dernière différence. Après, tu peux avoir une erreur et perdre 10 euros. Ok, je vais dire. Peut-être les coffres qui sont sous le lit. Ok. Dans l'autre truc, ils sont pas piégés. C'est compliqué à accepter. C'est compliqué à accepter parce qu'en fait, ici, les coffres, ils sont joints et de l'autre côté, ils le sont pas. Mais c'est pas. C'est quoi? Je te le compte pas comme une erreur, mais je te le compte pas comme un bon. Ok. C'est faire. T'as trouvé deux faciles, donc là, ta cagnotte est à plus 87 euros. Pas mal en vrai. Ok, bon, de retour. Waouh. Non, mais attendez, il a charbonné de fou là déjà. Plus 30 euros. Non, mais attendez, je crois qu'il s'est même pas arrêté une minute. Donc, vous savez quoi? On va lui faire une grâce présidentielle par gentillesse. On va lui casser une obsidienne, voilà. On lui enlève une épine du pied. Ah d'accord, elle me l'a cassée, bon ben... Yes. Mais par contre, on va pas lui dire et on va lui rajouter une épine du pied au bout, voilà. Franchement, là, en vrai, je pense que j'ai juste boosté sa motivation. Quatrième épreuve, l'épreuve spécial guest. C'est une épreuve spécialement designée pour toi.
Je sais, tu sais que t'adores casser des choses dans toutes mes vidéos, hein. Tu vas avoir 30 secondes pour détruire le plus de blocs possible. Par contre, t'as droit à une explosion. Ça veut dire tu mets autant de TNT que tu veux, tu fais autant de trucs que tu veux, mais il faut que ça explose en une seule fois. Voilà, t'as one shot. T'as 30 secondes pour faire exploser, pour réfléchir à ton plan, c'est maintenant. Ah oui, et un bloc égale 1 centime. En créatif, je peux poser ce que je veux. Ouais. Et je peux poser ce que je veux du coup. Oui, mais par contre, t'as 20 secondes. Et chaque bloc cassé, c'est 1 centime en plus. Mais c'est de la merde, 1 centime, frère, t'abuses. Non, là, il y a 37 000 blocs là-dedans. 37 000 ? Oui, donc si tu te débrouilles bien, t'as 370 euros en plus et tu repasses dans le positif. Mais c'est énorme ! Shawen, épreuve numéro 4, la spécial guest, donc rien que pour toi. On est avec Shawen, donc je vais designer une épreuve spéciale pour les noobs. En tout cas, c'est vraiment l'inspiration que j'ai eue pour lui en préparant cette vidéo. Du coup, je suis allée au plus simple. Quand tu démarres sur Minecraft, un truc qui est très compliqué, c'est d'apprendre les crafts. Donc là, il aura un tableau avec 9 items, 3 faciles, 3 moyens, 3 difficiles. À partir du moment où il choisit l'item dans le tableau qu'il va crafter, il aura 20 secondes pour le faire. Et s'il n'arrive pas, l'épreuve se termine. Par contre, tant qu'il réussit ses crafts, il peut continuer à renflouer sa cagnotte. Vas-y, c'est parti, Shawen, tu peux descendre. Ok, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bibliothèque. Je pense qu'on va commencer par la base, hein. On va prendre des petits sticks. Attends, il faut m'énoncer là. Je te vois déjà tricher. Je démarre le timer, hein. Ok, bon, bah, je prends un stick et ça, hop, je fais une épée en netherite. Voilà. Quoi? Oh, l'erreur du joueur français. Non, mais c'est de la triche là. Comment est-ce que. Mais Shawen, on fait pas une épée en netherite comme ça. Je peux pas te laisser autant perdre, ok? C'est parti, Shawen. Okay. Épreuve alors, numéro 4. Je vais choisir un build. Tiens, l'épée en netherite. Hop. Pas de soucis, Shawen. Il te reste qu'un seconde, hein, ceci étant dit. Une épée en diamant, un lingot de netherite. On va ici, on fait ça, ça. Et bah, non, c'est pas ça. Non, il te faut ça. Bon, franchement, tu pouvais pas le deviner. C'est très compliqué à savoir. Donc, en vrai de vrai, je vais compter la version du craft de 1.19 bonne. Ok, tiens. Ok, bravo. Bon, plus 10 euros. Vas-y. C'est parti. Le prochain, par contre, t'as 20 secondes. Pas une de plus maintenant, je ne serai pas plus gentil que ça. Le problème, c'est que mon jeu, il est en anglais, donc ça va être compliqué de trouver les trucs. Pas de soucis, je suis traductrice professionnelle. Qu'est-ce qu'il te faut, Shawen? Il me faut de la ficelle et un slime. String and slime. Tu sais comment faire une laisse, Shawen? Bah oui, depuis la dernière version, bien sûr. Je suis désolée, hein, mais je sens la triche. Hein. Tu verras que je triche absolument pas, et juste que j'ai une culture, quoi, c'est tout. L'épreuve, elle s'appelle quand même l'épreuve des noobs. Hein. Elle a été pensée pour des gens pas très forts à Minecraft. Voilà, hop, okay. Tiens. Ok, c'est passé. Franchement, là, tu prends plus 35. La prochaine épreuve, l'épreuve spécial guest. Donc c'est une épreuve qui a été conçue spécialement pour toi. L'épreuve du God Bridge. Non. Si, caray, chaque bloc que tu poses te rapporte 3 euros. Mais par contre, si tu tombes avant d'avoir dépassé le blanc, tu perds 50 euros. Ok, écoute-moi bien, je change de souris pour l'occasion. J'ai ma souris pour God Bridge sous le bras. Hop, là je suis prêt. Bah écoute, c'est parti, tu peux prendre les blocs qui sont dans le coffre et je regarde attentivement. Ok, donc là on est d'accord, dès que je tombe, ma cagnotte elle s'arrête, le jeu il s'arrête et c'est fini pour moi. Voilà, et si tu ne dépasses pas la couleur blanche, tu perds 50 euros. Sur ta cagnotte. Oh, alors là, attends, mais tu sais que ça fait des mois que j'ai pas gagné, là tu mets dans la sauce. Ok, je me concentre. Oh, je suis jaune. Ouais. C'est gagné en vrai. Regarde, je suis tombé sur le jaune. Ouais, mais normalement tu dois Godbridge ici quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme tu veux. Tu me donnes un deuxième essai. Vas-y, tu sais quoi? Moi j'ai envie de te voir Godbridge, je te redonne un deuxième essai. Par contre, là je te conseille vraiment d'assurer, sincèrement. Objectif là, je vais au moins jusqu'au orange. Allez, j'ai un deuxième essai. Non, là, je suis obligé. Allez, c'est parti, musique épique. Oh là là. Wow. Je suis tombé jusqu'au orange là. Et il y avait un plafond. Ouais, pardon, le plafond est magnifique. Attends, j'ai une proposition. Et tout double. Soit on enlève le plafond et tu peux le refaire, mais par contre tu peux faire pire que cette performance, ou alors tu peux faire mieux si on enlève le plafond. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais quoi? Moi je suis partant, on la refait. Là ça fait du coup 7 heures que ça a commencé. Et il est en train de me dépouiller, il est à 42 blocs d'oxygène minés. Par contre, il lui reste actuellement 5 heures pour aller au bout et il a même pas fait la moitié. Donc ça sent un peu bon pour mon argent. Bon, du coup, petit update les gars, on est arrivé au 60, je crois bien. Ouais, voilà, nickel. Il est minuit et demi, donc bon, je peux pas parler trop fort, sinon, bah, y a le daron qui va se réveiller, quoi. Donc, ouais, bah, on va continuer, hein. Let's go, les 100. C'est parti. Bon, j'ai merdé sans exprès, j'ai appuyé sur le chrono, donc, écoute, je vais te laisser 10 secondes encore. Parce que je te laisse un peu plus de temps que prévu. Et stop, Lined. Stop. Stop de rien du tout, toi. Allez, maintenant, c'est parti, ça démarre. C'est beau ce que j'ai fait, j'ai enfin un truc qui relie, hein. Ok. Pour l'instant, pas mal d'explosions. Bon, Lined, tu te fous ma gueule là. Non mais. Bon, ça a fini de péter. Je sais même pas si ça a pété en dessous. Et pas mal. C'est beau. Hein. C'est très beau. Hein. C'est vraiment beau ce que j'ai fait là. J'aime bien. Et écoute, t'en as enlevé 7232. Wesh. Donc t'as 72 euros en plus, Lined. Sauvage. Franchement, c'est très très bien. Bon, je pense que ta cagnotte n'est toujours pas dans le positif. Donc à la fin de la vidéo, tu risques peut-être de me devoir de l'argent. En vrai de vrai, je pense que je vais prendre la longue vue. Ok, donc tu veux prendre un plus 25. Bah, c'est parti. Donc je vais prendre un petit améthyste avec du cuivre. Ok, mais il te reste 10 secondes. Le problème, c'est que je trouve pas le cuivre, ok c'est bon. 6, 5, 4, 3, 2,
Voilà. Oh là là, magnifique. Donc plus 25. Et pour l'instant, tu remportes 60 euros sur cette épreuve. T'es vraiment chaud, hein. Est-ce que tu veux t'arrêter là ou t'en reprends d'autres? C'est quoi, je vais prendre le petit escalier en cerisier. On est sur la facilité. Donc, j'ai oublié d'activer le timer, donc t'as vraiment de la chance parce que ça se trouve, c'est voilà, pas passé. Voilà, bah voilà. Mais attends, mais tu te mets bien. Hop, les parties on enchaîne. Allez, c'est parti. Donc je vais prendre des sticks, des planches de bois. Et puis il te reste 4, 3, ça. 2. Voilà. En fait, depuis tout à l'heure, je me demande, est-ce que tu le fais vraiment? Ça se trouve, tu me... Après, je vais remonter, ça se trouve, depuis une heure, je me fais douiller, hein. Ah, non. Bon, vas-y, en tout cas, je te laisse choisir le prochain craft et on va voir. Des petites dalles de roche, en vrai. C'est parti, ça démarre maintenant. Roche en anglais. Attends, je suis pas très bilingue. Ah, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça. Ah non, mais ça compte pas. Ah, mais c'est toi, mais je suis pas censé t'aider, Shawen. Écoute, il te reste une seconde et c'est fini. Là, pour l'instant, je suis à plus 34, c'est bien. Contrairement à l'Ined, au moins, tu vas gagner de l'argent. Regarde-moi ça, mon cher Karai. Boum, y a plus aucun plafond. Oh, c'est parfait. 10, 11. Là, t'avais fait 16 blocs actuellement. Donc 48 euros. Okay. Donc, est-ce que tu vas faire pire ou tu vas faire mieux? J'espère que ça sera pour toi que ça va être mieux. Tiens, je te redonne des petits blocs et je te regarde refaire. Ok? Ok? Waouh. Non, mais tu peux t'arrêter là. Faut tomber, chef. Waouh. Ok. Oh, let's go. Let's go. Je suis trop fort. J'étais jusqu'au violet. Alors attends, là ça va être le décompte des blocs. 3, 6, 9, 12, 15. Oh là là, mais j'étais si puissant. 26 blocs, écoute, tu as parcouru 26 blocs en faisant un God Bridge. Ça t'est fait donc plus 78 euros. Oh. Ça mène à une cagnotte totale de 165 euros. Mais attends, mais la vidéo elle est rentable de fou là, j'ai bien fait de venir. Ratman, ah bah quelques secondes avant que t'arrives à la Bedrock, depuis le départ, il y a un truc qui était prévu pour récompenser ta non-procrastination. T'avais 12 heures pour faire un truc qui se fait en moins de 7. Et pourtant tu finis à rien du tout. Au tout début, il y a un truc que je t'ai pas dit. Voilà, je t'ai gardé un petit secret. Il y a des blocs d'obsidienne qui sont invisibles une fois que t'arrives à la bedrock. Parce que comme tu peux le voir, depuis le début, c'est que de la concrete. Et là, c'est de la bedrock. Donc, Ratman, je te souhaite bonne chance. Pour finir, écoute, il fallait pas procrastiner. Je te souhaite bonne chance pour la fin. Ne vous inquiétez pas, on va pas se laisser faire. Ça y est, on arrive sur la dernière épreuve où les contestants vont devoir speedrun un item. En l'occurrence, ils doivent me rapporter une bûche de n'importe quel type de bois le plus rapidement possible. Alors, au début, plus c'est rapide, plus ils vont gagner de l'argent. Mais au bout d'un moment, s'ils sont vraiment trop lents, ils vont carrément commencer à en perdre. Il y a des arbres juste à côté, mais comme l'indique ce panneau, je vous déconseille d'aller tout droit parce qu'il n'y en aura pas avant au moins 1000 blocs. Ah, bref, bonne chance à eux. Écoute, Lined, la dernière épreuve, c'est un speedrun. Oh, mais c'est long, cette merde. Écoute, Lined, c'est parti, tu peux partir maintenant. Le chrono démarre. Tu peux, vas-y, fais-toi ça. T'as trouvé quoi? T'as trouvé quoi? Tu dois me rapporter une bûche de n'importe quel type de bois possible le plus Tiens. Vite possible. Tiens. Non, ça marche pas. Tu bah, la vie de mer que si. Arrête. Bon, tu sais quoi, en vrai. Bah oui. Bon, bah, quoi, oui. Lined, je te l'accorde parce que t'es malin, mais normalement, ça compte pas. De toute façon, ta cagnotte est toujours en négative. Voilà combien est-ce que d'argent tu me dois, du coup. J'attends le virement. Tiens. Non, ça marche pas comme ça. Donne-moi au moins du diamant. Tiens. C'est parti. Hop, sans triche. Voilà, mais... j'ai du bois. Non, c'est une bûche de bois. Il y avait écrit un truc exprès. C'était un indice. Bah alors là, t'es dans la merde. Parce que ça indiquait une direction et tout. T'étais bien. Bah, du coup, c'est de la triche. Enfin bon, tu me demandes du bois, je te donne du bois. Tu me dis de n'importe quelle manière. Ah non, une bûche de bois. Mais qu'est-ce que tu fais, Shawen? Tiens, remonte avec ça. Au bout d'un moment, tu vas commencer à perdre de l'argent. En tout cas, il te reste 10 secondes avant de commencer à perdre de l'argent, Shawen. Par contre, j'ai l'impression que t'as fait de la déforestation. Là, y a plus d'arbres, y a plus rien. Bah, on a un plein milieu du désert. Excuse-moi, mais le réchauffement climatique, ça impacte partout, quoi. Bon, en tout cas, là, tu commences à perdre de l'argent. Ok, c'est parti. En tout cas, là, pour l'instant, t'as déjà perdu 15 euros. Après, moi, je te dis, tu peux regarder sous tes pieds. Dans les Minecraft, il peut y avoir des bûches. Ok, vas-y. Au moment où je la reçois, c'est gagné. Ok, tiens. Ok, c'est bon, j'ai lu. Tu as mis 3 minutes, donc 1 minute 30 de plus que prévu. Donc, tu te prends le plus gros balus, c'est moins 50 euros. Donc, Shawen, je te l'annonce officiellement. Tu es à moins 16 euros, tu dois me donner 16 euros. J'ai atteint le chèque sur PayPal. Allez hop. La dernière épreuve, c'est le speedrun d'item, c'est parti. Quoi? C'est compliqué de voir. Ouais, c'est pas difficile. Moi, je vais prendre un pari, je pense que... Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est pour un truc impromptu. Par contre, c'est dommage, hein, y avait un petit panneau au tout début. C'est dommage que tu l'aies pas lu, quoi. Y avait quoi comme panneau? C'est qu'en plus, je l'ai vu, mais je me suis dit, non, mais j'ai pas de temps à perdre, là. Attends, mais est-ce que t'essaies pas de me faire perdre mon temps, là? Et qu'on sait d'aller tout droit, écoute-moi. Mais t'es... Non, tu... Bah, est-ce que tu vas m'écouter ou pas? Ah, mais attends, y a du bois, là, je peux pas l'avoir, là. Non, ce bois-là, tu n'as pas le droit. Là, t'es déjà à 45 secondes. Attends, mais c'est compliqué, là, c'est une map infinie de désert. Oh, j'ai du bois. J'ai une savane. Okay. Juste devant moi là. Ok, tu sais, dans 15 secondes, tu commences à perdre de l'argent. Dans 15 secondes. T'entres dans le palier malus. Ok, je me dépêche. J'accepte à partir du moment où je le reçois. Ok, mets-toi à côté de moi. Ok, wesh. Allez. Mais faut me le donner. Mais tu me. Allez, faut me le donner.
Tiens. Et par contre, c'est un bruit là, c'est trop bizarre. T'as mis 1 minute et 52 secondes, ce qui fait que t'as perdu 25 euros. Tu repars avec une carotte. Avec une carotte. C'est bien joué, une carotte qui vaut 145 euros. Let's go. T'es le seul à être en positif dans cette vidéo, tout le monde va me devoir de l'argent. Bien joué. Bon, écoute, Ratman, je te le dis officiellement, il est 85, donc tu peux arrêter de miner le bloc que tu mines. On va faire le décompte des blocs. Ouais. Écoute, tu as cassé 97 blocs d'obsidienne, donc ça te fait, Ratman, 97 euros. Ah, let's go, merci. Ok, bon, il m'a demandé une petite carte Amazon. Donc, boum, 94 euros de la part de Poké Draco. Allez, achetez maintenant. Et voilà, commande confirmée. Et voilà, 1 euro en plus. Bon, et ben en tout cas, la vidéo m'aura coûté beaucoup d'argent. Donc, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et je sais pas ce que j'ai fait en fait quand j'ai payé la carte cadeau de Ratman. C'était genre une, deux semaines plus tard, le temps qu'il me demande. J'ai retiré 3 euros. J'étais persuadée que c'était 94 euros au moment de payer. Désolé, je lui ai redonné 3 euros. C'était vraiment pas voulu. En tout cas, si la vidéo vous a plu, encore une fois, elle a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez laisser un petit pouce bleu si l'envie vous en dit.